Mickey pour Eragaming. Pour cette nouvelle vidéo de mes retours sur la Gamescom, j'ai le plaisir de vous parler de Commando 2. Le remaster, évidemment. Pas de Commando 2, le jeu sorti en 2001. On va faire un tout petit peu d'histoire. Dans Commando, vous contrôlez des unités d'élite. Au total, dans le jeu, il y a 9 unités que vous pourrez contrôler. On a donc un béret vert, un tireur d'élite, un expert en démolition, un plongeur, une séductrice et un voleur. Comme vous pouvez vous en douter, chacune de ces unités possède des compétences qui lui sont propres et qui vont pouvoir vous aider à vous sortir des espèces de puzzles stratégiques qui sont proposés au travers d'une dizaine de maps dans une dizaine aussi d'environnements différents à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'apporte ce remaster? Alors concrètement, ce qu'il va apporter, c'est des graphismes un peu plus lissés. Ils ont retravaillé légèrement l'interface, ainsi que le tuto, pour rendre le jeu un tout petit peu plus abordable. Et ça s'arrête à peu près là. Pour tout le reste, on est vraiment sur exactement le même jeu que celui d'origine. C'est un jeu pour lequel je suis un peu sentimental, hein. c'est mon premier jeu un peu hardcore pour lequel il a fallu essayer, perdre, recommencer un nombre de fois vraiment incroyable. Pour ma part, je pense pas que je ferai le remaster, hein. Je pense pas que je me laisserai tenter. Par contre, pour toute personne qui n'a pas joué au jeu à sa sortie, je pense que c'est une très très bonne opération et qu'il faut à tout prix l'essayer. Voilà, c'est tout pour Commando. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve pour la suite de mes vidéos sur la Gamescom. Allez, à bientôt.